Et oui, c'est aujourd'hui la fête des pères, une occasion de célébrer en famille pour plusieurs. Et Catherine, il y a autant de façons de marquer le coup qu'il y a de papa, finalement. Certains font seulement appeler leur père, d'autres, au contraire, vont avoir vraiment une série d'activités assez élaborées. Oui, c'est ce que je me suis rendu compte en allant à la rencontre de plusieurs pères de famille. Mais vous allez le voir dans le tableau qui suit, cette année, les Canadiens ont moins l'intention de célébrer le coup. Il y a 46 % des répondants qui ont dit qu'ils allaient souligner la fête des pères. Il y a quand même 61 % là, qui ont dit qu'ils allaient faire des achats. Donc, est-ce qu'on va peut-être plus souligner avec des cadeaux? Il y a 57 % qui ont affirmé qu'ils allaient dépenser plus de 50 $. Donc, j'ai rencontré plusieurs pères, plusieurs familles. Voici ce que ça a donné. On va aller souper chez son papa à lui. Puis sinon, on va passer la journée au parc La Lancette avec les festivités. C'est un souper chez mon oncle avec mon père, puis ben, la petite, puis toute la gang, là, toute la famille. Est-ce qu'on a fait des cadeaux? C'était vraiment plus de passer du temps ensemble? Un petit cadeau pour la symbolique, mais c'est en plus le temps, le moment ensemble. Cet après-midi, on va tous au cirque. On va faire un pique-nique au parc en Grignon, pas loin du cirque juste avant. Et Catherine, vous avez des chiffres aussi sur les différents types de cadeaux qu'on offre au père? Oui, absolument. Et sans surprise, eh bien, l'alcool et la nourriture trônent au sommet de ce qui est le plus acheté dans le cadre de la fête des pères. S'ensuit les certificats cadeaux et par la suite, les vêtements. Mais il y a aussi plusieurs personnes qui offrent des fleurs. Pour notre papa, on l'aime, alors on envoie quelque chose de... peut-être des fleurs ou des plantes. Okay. Est-ce que c'est une journée occupée dans l'année, la fête des pères? Un peu plus que d'habitude. Et le premier ministre François Legault a aussi marqué le coup sur la plateforme X. Il a écrit ce message. « C'est de mon père que je tiens ma passion pour le hockey. Il savait comment rendre les parties du Canadien spécial. Bonne fête à tous les pères du Québec. » Et il a publié une vidéo où il raconte une anecdote avec son père qui est décédé lorsqu'il avait la vingtaine. Merci, Catherine. Au revoir.